Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour la première fois, on va manger japonais. Pour la première fois de sa vie. Est-ce que tu sais parler japonais? Ouais, je sais dire One Piece. Konnichiwa, ça veut dire bonjour. Ah oui, aussi. Tadazakimasu. Ça veut dire aussi merci, je crois. Tout veut dire merci. La famille, on a une box japonaise. On vous montre le contenu. C'est parti. Déjà, il y a de très très belles affiches. Dans les délires manga japonais, ouais. Des images. Plein d'affiches. Et ça, par contre, ça, c'est un cadeau qu'ils nous ont donné. Oh, fais voir un cadeau. Merci beaucoup. Et ils sont trop gentils. Merci beaucoup pour le cadeau, en tout cas. Ouais, en plus, il a été gratuit. On a des Kit Kat. Oh là là. Ah, c'est des paquets. Moi, je croyais que c'était que le petit Kit Kat. Ok, des balles. Enfin, je veux dire, ouvre-le pas, mais je veux dire la suite, quoi. Kit Kat mangue. Kit Kat biscuit. Ah, mais il y a grave des Kit Kat. Incroyable. Chips, Cheetos. Attends, je m'as sorti un moment donné. Ça, par contre, ça a l'air incroyable. Ouais, vas-y, déballe la suite. Alors, la suite, on a ici un petit. Ah, ça, c'est des melon pan. Oh, je suis trop pressé. C'est des melon pan, c'est des spécialités japonaises des pâtisseries. Ok. Est-ce que ça a été offert ou pas? Alors, arrête de bouger. Bouge pas. Non, ça n'a pas été offert, c'est moi. C'est barre chocolatée du Japon. Ok, donc là. Kit Kat. Oh là là, Poki, c'est la marque du Japon, mais c'est des Kit Kat en mode. Vas-y, y a quoi d'autre? Alors. Encore un melon de panne, yes, ça fait. C'est archi bon. J'espère que t'as pas commandé des trucs comme des Jelly Belly ou des trucs comme ça. Hein. Non, t'inquiète. Que c'est que ce. Ça, c'est une pâtisserie avec du chocolat à l'intérieur. Oh, on découvrira ce que c'est. Là, on a la canette pour un froid. On dirait une boisson arabe. Ouais, j'avoue. T'as vu, nous, les Ifri, là, c'est à peu près pareil. Fais voir. Ouais, ok, c'est goût citron, un truc comme ça, vas-y. Ah, c'est grave froid en tout cas. On goûtera après. Et la petite dernière. Ça, par contre, je sais pas trop c'est quoi. Ça, je sais pas, on va voir. On commence par quoi alors? Le cadeau. Vas-y. Ils sont trop gentils, à chaque fois que vous commandez sur des sites, ils vous font des cadeaux. Non, pas sur des sites. Oh, c'est trop mignon, c'est des petites boules. Des petites boules. Bismillah. Ah, c'est dur. C'est dur, hein. Waouh. T'arrives pas? C'est hyper dur, mais ça a le gâteau, ça a le goût des gâteaux d'anniversaire. En dur. Tu peux le croquer, tu peux le croquer. Non, mange. Moi, je vais manger comme un petit chien. Allez, mange. Ouf, ok. S'il te plaît, mange. S'il te plaît, mange. En plus, c'est notre petit déjeuner. C'est archi bon. Chef, elle a pas des dents, c'est puissante. On continue de parler. Chips. Ça, les chips, c'est pas mon délire. T'es mal à chips. Ah, elle est ratée. Moi, je déteste ça. Tu sais quoi, je goûte même pas, frère. Obligé. Allez, obligé. Ouais! C'est au fromage, c'est incroyable! Waouh! On sait tous que t'aimes pas. Non, j'aime bien. Je n'ai pas le Covid, j'aime bien, je sais pas, j'ai toussé comme ça. Mais c'est à l'émental, elles sont trop bonnes. Maintenant j'ai hâte de goûter les Kit Kat. Kit Kat, goût, biscuit. Là si j'aime pas. Regarde, il y a qui derrière. Kit Kat. C'est trop bon les chips. Ouais, les chips c'est incroyable. Attends qu'on pose les chips, on va d'abord goûter Kit Kat. Mais j'ai jamais goûté un Kit Kat de ma vie à ce goût là. Oh là là. Pour l'instant c'est le meilleur truc. Vous voyez quand vous mangez un biscuit et un Kit Kat, bah c'est ça, un Kit Kat biscuit. C'est vraiment archi. Ok. Là, je propose. Mais toi, dis ton avis au lieu de faire que de manger, frère. T'aimes bien? C'est grave, bon, ça devrait être un gros plat. Ouais, je l'ai déjà dit. Elle fait que de me recopier, j'en ai marre. Je te jure, on dirait les boissons de la. Médicaments. C'est le bonbon que je déteste en plus. Ouais, c'est claqué. C'est l'heure des médicaments. Bah, vraiment pas bonne. Alors, Samiriam, écoute-moi bien. Ça s'appelle un melon de panne. Yacine, il regarde beaucoup de mangas et à chaque fois, dans les mangas, il mange ça, des melons de panne. Et il me dit, c'est grave bon. Et là, j'ai même pas la vie. Si, il a goûté avant d'être malade. Tu sais, quand t'étais toute petite, on a fait une dégustation. Alors, ça, je pense que c'est le truc le plus bon de la dégustation. Donc, je vais te donner un petit bout. Il faut pas le chauffer d'abord. J'aime pas. C'est grave bizarre, on dirait du pain. Pas mal. Vous savez, ça a le goût de quoi, ça? Oh merde. Regardez, ça a le goût de quoi, regardez. C'est exactement ça. Vous voyez les pains au lait qu'on a en France?
c'est la même chose. Donc ça, tu le rajoutes du Nutella. Aouh! Tu bugs? Attendez, vite fait, des fois, ça lui arrive. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est super bon! Je dis, c'est super bon, c'est incroyable. Merci, Yacine, de nous avoir découvert les melon pie. Non, j'ai envie de goûter ça. Non, ça. Ok, ça, c'est des mini melon pie. Tu vois ça en mini. Genre, c'est une nouvelle saveur. Et c'est en version gâteau. Je vais montrer à la caméra avant que tu goûtes. Vous avez vu? Je vais la laisser donner son avis. Je me mets juste derrière toi pour donner mon avis et je te serai. Donc là, mon avis, c'est vraiment incroyable. C'est dégueulasse. C'est un biscuit nature, il n'y a aucun goût, aucun intérêt, frère. On attaque les Kit Kat du Japon. Oh, c'est des petits. Il y a plusieurs mini paquets comme ça. Oh, c'est pas comme les autres trucs. Les autres trucs, il y en avait que un. Ouais, à chaque fois, il y en a un par un. Mais ça se mange par deux. Franchement, on dirait qu'il y a du Nutella qui. Ouais, regardez, c'est balèze. Waouh. On a pris que du sucre aujourd'hui et c'est vraiment hyper bon. Oh là là, je pourrais pas vous décrire ça. Par contre, il faut vraiment que vous l'essayiez. La noix de coco. Encore, mais purée. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu bugs trop aujourd'hui. T'en veux encore ou je... Ah oui, elle bug quand c'est grave bon, j'avais oublié. Là, on a une barre. Aujourd'hui, tout le sucre. Ah, on dirait que c'est du chocolat. Waouh, des cacahuètes là, à l'intérieur. Là, je ne pendant longtemps. Non, mais là, tu peux pas bugger, t'as même pas goûté. Oh, aïe. Encore plus bon que les petites cartes. Ça, vous voyez, j'en recommanderais. Ah oui, là, on a le beignet au chocolat. On dirait un pancake. Oh lolo. Wow. Mais c'est pas fondant, c'est bizarre. C'est pas du chocolat. Ah, mais c'est quoi? Wesh. C'est pas du chocolat, wesh, on dirait du thon. Oh, c'est bizarre. C'est mineur. C'est pas ce Kit Kat. Kit Kat, goût. Mange. Ils ont des trucs de gros, mais en version minuscule, tu vois. Ouais, j'aime pas trop. Laisse tomber. Aucun intérêt, la mangue dans le Kit Kat, ça fait un goût chimique. En temps, l'autre biscuit, il était incroyable, mais celui-là, j'aime pas trop. On passe direct au dernier. Alors ça, c'est un truc de chez eux, je sais pas ce que c'est, j'ai regardé. De base, ça se mange pas avec la peau de base. C'est grave dur. Ah, vas-y, c'est éclaté, frère. Vas-y. Éclaté au sol. Franchement, c'est un truc grave dur. T'as vu comme les bonbons à la menthe là, ouais, que nos grand-mères elle nous disait mange. Mais sauf que ça a un goût de caramel bizarre, j'aime pas. Qu'est-ce que t'as mis sur 10? Moi je mets ça sur... Alors moi, mon meilleur truc que j'ai kiffé, c'est ça. C'est une découverte incroyable. Les Mikado à la noix de coco. Moi je mets ça. Après je mets ça. Et le truc le plus dégoûtant qui m'énerve, que j'ai envie de frapper des gens, c'est ça là. On dirait du Nutella. Alors que quand tu goûtes, c'est vraiment pas du Nutella. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Bon, rejoignez-nous sur Snap, sur Instagram, sur Twitter, partout. On est sur tous les réseaux sociaux. On est partout. Allez, ciao. Il y a presque tout qui a été dégueulasse. Mais pourquoi t'es une hypocrite? Pourquoi tu dis que c'est bon alors? Pas presque tout, mais... Ah, quelques trucs. Ouais, voilà. Ah.